connaissais pas. En fait, ouais, quand tu m'as dit je ramène des 3D, j'ai pas compris. Genre, je me suis dit des. Tu connais pas les 3D? Non. Vas-y. Sainte mère de Dieu. On dirait des petits cornets de glace. Ah, genre, t'as jamais mangé ça? Non. Moi, je bouffe ça tout le temps. Depuis que je suis tout petit, quoi. On va avoir les doigts tout gras pour le oui. sabre. Oui, on va arrêter. C'est juste pour le décor. On a été appelé juste par, par 3D Productions. Absolument, voilà, sponsorisé. Placement de produit. Bon, et bien, bonjour à tous, c'est Splint. Hein, et puis, on se retrouve avec Monsieur Jimmy Lafleur. Bonjour à tous. Voilà. et ben aujourd'hui, on est très content parce qu'on va enfin pouvoir unboxer. Oh oui. Nos sabres laser. Oh Jésus. Voilà, donc des sabres laser qui ont été commandés chez Cyberforge il y a quoi, combien de temps? Au mois de janvier. Au mois de janvier. Voilà, donc ça fait un certain temps. Mais il fallait qu'ils soient forgés. Construits, forgés, voilà. Tout simplement forgés. Le lien du site dans la description, si vous voulez, si ça vous intéresse. Donc on commence par enlever cette délicate ficelle incroyable qui vient de la campagne natale. Tiens, je te laisse de ton côté, voilà. Hein. Première étape vers. Oh oui. Nos sabres laser. Et vous ne voyez rien. Et vous ne voyez rien. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien. En fait, on va arrêter la vidéo maintenant. Parce que, du coup, voilà. Alors. Oh la vache. Ça va, ça a bien remballé ça quand même. Ah, t'as vu. On aurait presque j'ai, croire j'ai fait que... ça propre. Bon, ça, le sac plastique de merde, ça y était pas à la base. Mais donc voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Donc on a même les noms écrits sur la sable. T'as vu, regarde. Disciple. Donc ça, c'est le mien. Ah ouais. Moi, c'est un disciple aussi, non? Et toi, c'est un acolyte. Ah, ok, d'accord. Je suis même pas au courant de ce qu'il commande. Donc voilà, ça ressemble à ça. La notice. Là, ouais, on a la notice, poubelle. La garantie, des trucs comme ça. Putain, mais c'est v'là long. Et on va pouvoir se débarrasser de ce qui est de saturation. Saturation. C'est religieux. Tu veux faire durer le plaisir. Oh là là. Donc on a la magnifique lame. Hein. Une lame. C'est très coupant. Hein. Combien de pouces déjà? De pouces. Ouais, je crois que c'est genre 93 pouces. Ah, moi je compte en c'est inch. Hein. Non, c'est 37 pouces parce que 97 pouces ça fait. Je ne sais plus parler. Ça fait beaucoup. Ça fait un petit mètre. Ouais, c'est ça, ça fait 93 cm je crois, j'avais calculé. D'accord, ok. Donc voilà, 93 cm. Hein. Putain, là il y a le bout pointu, non, ça va. Ah, ouais, non, ça a de la gueule, hein, genre. Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Bon, je peux pas trop faire le fou là parce que. Oui, y'a pas trop de place, on est chez moi. On va tout détruire si on fait les Jedi là donc. Et attention, mesdames et messieurs, nous y sommes. Oh putain. Oh, on ouvre casse-toi, toi. Enfin, c'est magnifique. Bon, je vais y parler meilleurs forgerons. Oh putain. Oh, c'est beau. Donc, il y aura des petits plans de près, hein, des sabres, voir un petit peu ce que ça donne. Mais là pour l'instant, c'est nous. Putain, c'est magnifique. Oh là 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 là. Voilà, donc ça c'est mon petit sabre, le disciple, avec fixation de ceinture, attention. Ah et, ouais. Et donc ça, on les a dans le petit sac. Ça plus, pas... Ouais, tu l'as pris aussi. Je m'en rappelle plus de ma commande. Donc ça c'est ça cool. Fait trop longtemps aussi. Ah ouais, putain, oh. Rouge. Oh oui. Oh là là. La tienne? Oh ça va. Allez. Il comprend pas. Ah ouais, c'est cool, c'est cool. Du coup, ouais, toi aussi, t'as la petite fixation, donc à la ceinture, comme ça, hein, comme un vrai Jedi. Ah ouais, d'accord, c'est ça, là. Ouais. Putain, mais trop bien. C'est pas comme les petits joujoux Disney qui sont super épais. Pour le même prix. Pour le même prix. Genre, ils sont super épais en plastique et tout. Ouais, non, ouais, ça, ouais. C'est du full métal. Putain, tu le sens c'est bien, lourd. C'est bien, voilà. Ça pèse son poids, quoi. De la qualité, tu vois. Tiens, des gros gammes avec les sons. C'est génial. Alors, parce que maintenant, vient l'instant intéressant de mettre les lames. Ouais. Aha. Et ça, je me demande bien comment ça tient en fait. Comment ça tient? Ouais. C'est la vis qu'il y a devant là, regarde. Tu vois? D'accord. Je vais te montrer après. Alors. Donc là, on a les petits trucs pour la ceinture. D'accord, ok. Tac. Yes. Donc je n'ai pas de ceinture, donc on va pas pouvoir. Enfin, je sais pas si t'en as une. Oh, j'en ai une! Et donc. D'accord. Donc si je suis pas trop con. Voilà. Voilà, à l'ancienne. Et du coup, tu le sors comme ça. En gros, voilà, ouais. Donc ça, vous l'accrochez à votre ceinture comme ça. C'est assez simple. Voilà. Il ne faut pas avoir bac plus 5, tout va bien. Et vous mettez votre petit sable comme ça. Et voilà. Et c'est propre. Tiens. Allez. Petite clé. Coup, donc avec ça... Donc en fait, la... donc, d'après tout, j'ai compris, parce que je n'ai pas lu la notice. En gros, donc le premier, ce sera pour la lame.
Et le deuxième, ce sera pour si tu veux changer la LED en fait. D'accord, ok. Voilà, donc le deuxième, tu touches pas. Et le premier, tac, je viens comme ça. Tac, donc dans le sens inverse plutôt, on dévisse dans le sens anti-horaire, n'est-ce pas? Donc t'es pas obligé de l'enlever entièrement, juste tu la desserres comme ça. Ouais. Puis ensuite, hop, t'as le truc qui sort tout seul en fait, tu vois. Et c'est un petit embout comme ça, vous voyez, qui fait genre sur le laser. Et là maintenant, regarde, je vais pas la pointer vers la caméra, mais ça sert de lampe torche, clairement. Attends, mais clairement, regarde derrière, ultra là. Puissant. Voilà, c'est plutôt pas mal. À ne pas mettre dans les yeux, ça défonce. J'ai essayé, je voyais plus rien. Oh, étonnant, hein, le mélange des couleurs, physique, tout ça. Alors... Oh putain, oui, ça fait mal aux yeux. Oh merde, donc... désolé, je crois que j'ai ébloui la caméra. Oh, pauvre caméra. Et donc maintenant, désormais, la lame... Donc, t'as fait comment, là, ce truc-là? Ah, ce truc-là, tu l'enlèves, quoi. Ouais, c'est ça, tu l'enlèves. Ah, tu remplaces, ouais, c'est ça. Bon, on y va ensemble. Vas-y, 3, 2, 1... Donc voilà, on a nos jolis sabres laser, sabres forge. Les voisins ne vont pas comprendre. Grave, c'est quoi le délire? Nice. Faudrait essayer genre sans la lumière. Je vais... Lumière. En régie, s'il vous plaît. Première lumière. Attention. Boum. Oh là là, gamin. Attention. Voilà, donc on fait les bruitages, hein. On avait dit qu'on l'aura jusqu'au montage, mais en fait non, on fait ça à l'ancienne. Voilà, les jolis sabres Saber Forge. Oh putain, qui nous éclaire bien la gueule comme ça en vrai. Bon. Ah, ça fait des belles couleurs hein, quand même. C'est très plaisant, on se sent très fort quand même. Ah ouais. Dans la rue, je vais me balader comme ça. Genre, arrière. Arrière, Manon. Ouais, ça serait pas mal, genre un Star Wars au Moyen-Âge, tu sais, genre... Non. Ouais, non. On arrête ça tout de suite. Vas-y, je rallume, hop. Donc comme je le disais, nous on a pris la Warrior Edition, c'est ça, je crois, hein. Dans le genre. C'est-à-dire qu'on a juste les lumières, en fait. Mais quand on paye un peu beaucoup plus, eh ben, on peut avoir, donc, comme je le disais, une carte son. Et en fait, quand on a une carte son dedans, ce petit bouton-là, qui ne sert à rien pour nous, en fait, c'est un petit truc qu'on doit enlever. Et en fait, c'est une clé de sécurité, je crois, pour le son et tout, pour pas que la batterie se vide, un truc dans le genre. Une kill key, comme disent les Anglais. Et donc voilà. Ouais, ça fait du bien, ouais. Putain, mais c'est... Et du coup, évidemment, bah, on a les petits chargeurs hein, qui viennent avec. Les petits chargeurs. Ah oui, d'accord. Et donc, tu mets ta pile dedans, quoi. Ah oui d'accord, donc en fait c'est un truc comme ça tu vois. D'accord. Je mets ta pile comme ça. Et ça se branche au secteur ou en USB? Ah, je m'y attendais à ça. What the fuck. C'est des prises américaines. Ouais. Bon bah je vais arrêter d'utiliser pour le moment. Ouais, du coup faudra trouver des adaptateurs. Donc ça c'est un peu dommage, je pensais quand même qu'ils adapteraient en fonction du pays de commande. Mais visiblement non. Donc clairement non. Donc là on peut pas le brancher en fait, hein. Ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans les prises, donc on va trouver un adaptateur, bon ça se trouve à boulanger, je suis sûr. Donc, 2€ chez un vendeur. Bon, bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. N'hésitez pas à aller visiter le site de Cyberforge si jamais ça vous tente. Si vous savez parler anglais. Oui, si vous savez parler anglais aussi. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Dernière chose à dire quand même, c'est que ne vous faites pas avoir, n'achetez pas les merdes qui vous vendent à Disney, où je vais prendre cher, parce que mon espoir c'est Disney en plus. Enfin, ça appartient à Disney Network. Je vous aime, tout va bien. Vous n'avez plus de network. Non, ne les achetez, en vrai je m'en fous. Ne les achetez pas parce qu'elles sont super chères et elles sont dégueulasses par rapport à celles-ci qui sont de bonne qualité, solides et bien lumineuses comme ça. Qui vous seront. Faut être patient. Ouais, voilà, faut être patient parce que comme on vous l'a dit, on les a commandés en janvier et ils viennent d'arriver. Voilà. Donc. Quand même. Bon, bah du coup, est-ce que tu as un petit mot pour la fin May the force be with you. C'est une bonne idée ça. Que la force soit avec vous. Et avec votre esprit. Amen. Amen. Oh putain.